Il est un petit peu ronchon le matin. C'est important de bien les connaître pour savoir à quel moment il y a un problème ou pas. Bon, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est sensible et expressif. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit direct. S'il n'est pas trop ronchon, c'est que ça ne va pas. Au box le matin, il est toujours un petit peu râleur. Oui, je le laisse couvert parce que là, il fait encore un peu frais. Il ne va pas être monté tout de suite. Donc voilà, du moment où les couvertures sont bien attachées, je vérifie qu'elles sont bien attachées, qu'elles sont bien dans l'axe du dos. Donc là, ils ont un peu tourné. Après les bandes, je lui laisse, c'est vrai, un peu plus longtemps que les autres le matin pour un petit peu plus de protection. C'est des bandes qui sont là pour faire un petit peu de contention sur les jambes parce que c'est des animaux qui sont censés être normalement dans la nature tout le temps dehors, toujours en train de marcher. Là, on les immobilise par contention. Par soutien du boulet, c'est une articulation qui travaille vraiment beaucoup à haut niveau, c'est vraiment des articulations qui sont beaucoup sollicitées. Tu aimes bien, tu es la star. Oui. Tu te caches. Je pense qu'il sait qu'il est un peu au-dessus. On essaye de faire le moins de différence possible parce que bah, pour les autres, c'est pas sympa. Mais il le sait. On n'a pas besoin de lui dire. Bah, il a la place de numéro 1, évidemment, par la force des choses. C'est tout tourne autour de lui. C'est Raotep qui est le cheval de tête de l'écurie, c'est lui qui emmène tout le monde dans le haut niveau, moi y compris, ma groom aussi, les bons propriétaires aussi. Donc bien sûr, il est à part, c'est évident. Je touche et direct, enfin après c'est vrai que ça devient des réflexes, mais oui, la température du pied, savoir si tout va bien, si le fer est en place. Pas forcément de la veille, parce que forcément la veille on les a vérifiés après le travail, mais même de la nuit, hein, ça peut arriver qu'ils se roulent dans le box et qu'ils se coincent ou qu'ils se tapent quelque part. Là le matin, on a un pansage évidemment pour le faire propre et puis aussi pour vérifier si tout va bien, si au passage de la brosse il n'y a pas des réactions anormales. Toujours l'importance de les connaître. Et puis après j'ai une brosse, c'est pas un produit, mais j'ai une brosse dont je me passe vraiment très rarement en concours. Après, comme elle ne sort pas de la malle de concours, ils ne l'ont pas à la maison. Mais c'est une petite brosse en plastique souple pour la tête et ils sont tous fans. Et comme ça, on peut faire les oreilles. Après, Raotep, il n'est pas difficile, donc ça va, mais... Après, j'aime beaucoup l'huile pour bébé aussi. Parce que c'est toujours ce que je mets avant d'aller en piste, un peu autour des yeux, sur les naseaux. Sa type de travail, un petit peu son matériel. Quand il veut sauter à la maison, juste de la gymnastique, on met son filet de travail normal comme sur le plat. Mais quand il veut faire un vrai parcours conditionné concours, on lui met son filet de concours par exemple. Des guêtres en mouton, ça tient pas mal le tendon et puis c'est vraiment confort. Après derrière, on est sur des bandes parce que les protège-boulets, ça remonte pas assez au niveau protection. Et puis en plus, c'est un cheval quand même qui a eu des soucis derrière de tendon, donc ça apporte du soutien dans les forces. La blessure l'année dernière, je suis tombé avec le cheval au concours de Valence au mois d'août. Sur le coup, on n'a rien vu, les gens étaient là autour pour voir tout de suite si ça allait. Le cheval était un peu choqué, mais physique, il n'est pas sorti boiteux du tout. Donc on l'a laissé un petit peu, il a été checké, on m'a dit non, c'est bon, c'est en ordre. Et puis je suis allé 15 jours après à une compétition à Chazet où je voulais faire une petite épreuve pour essayer d'oublier cette chute parce que. Que moi je tombe, c'est une chose, mais que mon cheval tombe avec moi, c'en est une autre. Donc là, il y a une notion de couple et il faut remettre tout ça, faire machine arrière quoi, par rapport à cette chute. Et puis le premier jour, il a sauté magnifique sans faute. Sur une petite épreuve, mais il sautait même presque trop haut. Et le lendemain matin, je l'ai travaillé sur le plat et j'avais un mauvais sentiment. Je sais pas. Et je dis à ma groom, j'appelle mon vétérinaire et il me dit. T'as un mauvais sentiment, arrête, tout de suite. Des contrôles sur le tendon régulièrement, avec IRM, scintigraphie aussi, pour voir la cicatrisation, comment elle se forme. Et ensuite, bien sûr, bon, avec les radios et tout ce qui s'ensuit, des contrôles réguliers. Les soins qui ont été faits sur le tendon, après c'est des injections, si tu veux, pour soigner le tendon. Et après, tu as des shockwaves, c'est-à-dire que c'est un appareil qui envoie des ondes pour faire cicatriser le tendon. Donc il y a eu quelques séances comme ça de shockwaves.
fais les couettes quand Philippe travaille sur plat, parce que il a une crinière un petit peu épaisse, des talons qui partent un peu dans tous les sens, et du coup au travail ça le gêne en fait, tout simplement. Enfin, ça le gêne ou il en joue un petit peu. Je l'étire. Là, c'est le moment où il étire son dos. Il aime bien. Ça lui permet d'être plus délié. Ouais. Ça... C'est un cheval qui a toujours été un petit peu bloqué des épaules, sans être bloqué. Ça lui fait pas mal, mais il a toujours un petit peu... On a tous nos faiblesses, hein. Droitier, gaucher, enfin, il y a plein de choses. Tu acquiesces ? Et en fait, lui, c'est les épaules. Voilà, il a deux épaules un petit peu raidouilles. Donc c'est vrai, quand tu lui tires avant, il marche mieux tout de suite. Philippe le ressent. T'entends faire de bonnes balades en forêt tous les deux pour se décontracter, autant lui que moi. Et parce qu'on a la chance d'avoir une forêt magnifique ici, et lui c'est quand même 80% de son travail se passe en forêt, plus que sur la carrière. Et Maud, je ne vais pas dire qu'elle passe 23 mois, une heure avec, et elle 23, mais on n'est pas loin, entre les voyages, les transports et tout. Donc je pense que le groom, en tout cas pour tous ces grands chevaux, et je pense pour tous les chevaux, est une pièce maîtresse de la réussite, parce que nous, on le met dans l'effort. Cette phase de décompression par rapport à l'effort, par rapport à tout ce qu'on a demandé, c'est elle qui s'occupe de ça, c'est pas moi. Attention en sortant le filet, chose qu'on fait assez rapidement dans le filet, mais quand on le fait trop rapidement, le mors vient taper sur les dents. Je pense que c'est jamais très agréable. Donc enlever tout doucement le filet. Alors s'il n'y a pas de douleur déjà au premier passage de la brosse, donc là il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire qu'il a pas mal au dos. Après chaque écurie a son petit staff. Un petit peu différent. C'est vrai que nous, le magnétiseur, ça semble un peu original comme ça. Il y a des gens qui, toujours, hein, ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Mais étant donné que Philippe se fait soigner par ce monsieur-là et que ça marche très bien, on se dit que sur les chevaux, ça doit marcher aussi. Le vétérinaire, c'est plus une fois par mois. Ah oui, tu fais un stock. Allez. C'est quand même un cheval qui a 13 ans, qui a couru ce qu'il a couru. C'est-à-dire que jusqu'à 7-8 ans, il a été quand même pas mal protégé. Les manches plus le barrage, ou même les deux manches plus le barrage, c'est quand même, ils sont vraiment beaucoup sollicités. Hein. Du coup, la glace, c'est un peu comme devant, c'est le confort un peu au jour le jour. Maîtriser la faiblesse. Je rentre dans le box quand même, je rappelle que je suis là, et 30 minutes après, j'enlève la glace. Après, ce qui est bien avec ces guettes-là, c'est qu'il n'y a pas trop de risques parce qu'elles sont moins froides. Il y a quelque chose de très froid pendant plus de 30 minutes, ça peut abîmer la peau, en fait, ça peut la brûler même. Ensuite, tous les mardis, il y a le maréchal qui est là, donc même s'il ne s'est pas ferré toutes les semaines, forcément, évidemment, mais il le connaît par cœur, il l'a depuis qu'il a 5 ans aussi, et du coup, on passe quand même au contrôle pour voir si tout va bien. Allez, Toto. Et je le faire depuis son année de 5 ans. Elle est partie au jeu ensemble. Médaille d'or, évidemment. Médaille d'or.
C'est un cheval adorable. Plus gentil que lui, ça n'existe pas. Il a des jolis petits pieds, il n'a pas de soucis. Il a une fureur, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est vraiment un cheval pour un entier. C'est un cheval, c'est un régal à ferrer parce qu'on peut lui mettre une jument devant, il ne bouge pas, il est adorable. Lui, on le fait par rapport au concours. Hein, on ne le fait pas comme les autres. C'est quand Philippe décide d'aller quelque part, ben, on essaye de le ferrer entre 10 et 15 jours avant. Donc voilà, après, il n'y a rien de très technique. Enfin, tous les gens qui côtoient mon maréchal Ferrand, enfin, tous ces gens qui sont là autour de ce cheval, on doit communiquer. Parce que moi, c'est mon ressenti, mon sentiment. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas maréchal, je ne suis pas ostéo. Moi, je donne mon sentiment, eux me donnent le leur, en me disant, là, tu peux y aller. Pour nous, tous les feux sont ouverts, feu. C'est un travail à quatre, vétérinaire, groom, cavalier et maréchal. Et avec ça, on est champion olympique. Quand il est comme ça, toujours en train de bouger la tête, c'est que tout va bien. Il demande quand même un petit peu d'attention. Oui, ils ont les pieds graissés tous les jours. Ça garde le pied beau et souple, alors ma foi. Quand on marche les chevaux, on met toujours une paire de protection devant.